Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique Turf FR en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 27 décembre, retour sur l'hippodrome de Vincennes avec bien entendu les trotteurs pour la première réunion au programme. Une réunion assez intéressante. Je me suis intéressé à la cinquième course du programme, hein, le prix de Saint-Jean-de-Mont, une épreuve qui sera support de Pick 5, comme vous le voyez, mais également de The 5, hein, chez notre partenaire The Turf. Une course réservée à des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 38 000 euros. Une course assez ouverte, hein, 14 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes, hein, le parcours classique bien entendu. Une épreuve qui est prévue, comme vous le voyez, à 16h10. Je n'ai retenu qu'une seule candidature dans cette compétition, ce sera le numéro 4, Idole de Chenu. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie sur ce parcours, c'était vraiment très encourageant. Elle débutait je crois sur l'hippodrome de Vincennes et elle a terminé 3ème entre temps 15-1 je crois avec Louis Baudouin. C'était quand même un bon chrono, je trouve que le lot était assez correct, c'était à peu près la même opposition, hein. Vous le voyez, elle battait Italia J'adore qu'elle retrouve dans cette compétition. Voilà, Louis Baudouin la connaît bien, vous le voyez, hein, deuxième, première, elle est vraiment beaucoup plus sage que par le passé, hein. Vous allez le voir, regardez, distancée, sixième, troisième, mais regardez, distancée, 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 neuvième, distancée, distancée, c'est vraiment une pouliche qui a eu un gros passage à vide. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus performante l'hiver, en tout cas elle est revenue vraiment dans une bonne forme, elle semble un peu assagie et voilà, déférée des quatre pieds par rapport à certaines de ses rivales. En plus elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire sur ce parcours, hein. Il y a beaucoup de concurrentes au départ qui n'ont jamais couru sur ce tracé ou alors qui n'y ont vraiment pas beaucoup figuré. Du coup elle aura cet avantage par rapport à certaines de ses rivales. Voilà, elle est dure à l'effort, je pense qu'elle a encore une belle marge de progression et avant le coup je trouve vraiment qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce mardi 27 décembre, donc en réunion 1, ce sera le 504 Idole de Chenu, à jouer de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 25 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous ai indiqué 3 concurrents. 3 concurrents à jouer en The 2 sur 4, on en a 2 qui sont dans les 4 premiers et l'autre qui est 5ème malheureusement. Du coup voilà, les favorites qui ont répondu présents, hein, dans l'ensemble. Du coup voilà, moi j'ai joué 3 euros, vous allez voir mon pari en bas de votre écran. Pour 3 euros joués, j'ai récupéré 2,10€, donc bon, c'est loin d'être extraordinaire. Malheureusement voilà, ça arrive. C'est vrai que la Glamoire a attaqué un peu de bonheur et c'est vrai que pour finir c'était un petit peu difficile et terminer 5ème. Enfin bon, voilà, on va essayer de faire mieux en tout cas pour la dernière semaine qui nous reste. Moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.